Et bonjour à tous, c'est Nico. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trackmania 2. Et aujourd'hui, c'est tuto. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire des macro blocs. Alors, les macro blocs, ce sont des. C'est un groupe de blocs en fait que vous pouvez créer. C'est comme si vous rajoutiez ça. Un bloc comme ça, mais plusieurs fois de suite. Vous pouvez même aussi mettre plusieurs blocs en macro bloc. Alors déjà, on va, comme d'habitude, on va tout cocher. Alors, je vais faire un macro bloc. On va commencer par le départ. Voilà. Ensuite, on fait un petit peu de route. Tac. Tac. Et on est arrivé. Voilà. Alors maintenant, on a créé un circuit. Enfin, on va dire que c'est un circuit. Et on va enregistrer un macro bloc. Alors pour ce faire, il faut aller dans le mode copier-coller. Vous pouvez aussi l'utiliser avec la touche C. Alors là, vous avez un carré jaune. Vous pouvez sélectionner les blocs, comme ça, autant que vous voulez. Ensuite, vous réinitialisez, enfin, pour enlever tous les carrés jaunes, vous faites comme ça. Vous appuyez sur la croix. Et pour tout sélectionner, bah, c'est ça, faut faire. Vous sélectionnez la totalité de ce que vous avez créé en utilisant ça. Ensuite, vous annulez en appuyant sur la croix. Le plus, c'est pour ajouter au mode. Alors, je vais pas encore essayer, il faut que j'essaye. Pas trop à quoi ça sert quoi. Le plus et le moins. Donc, ensuite, couper, bah, ça fait vous couper ce que vous avez créé. Ça a fait un peu n'importe quoi. On va essayer. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Après, ce n'est qu'un détail. Voilà. Donc maintenant, on va enregistrer un macro bloc. Vous sélectionnez ce que vous avez créé, vous cliquez sur enregistrer, enfin sauvegarder la sélection. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est pour regarder les différents angles. Et après, quand vous êtes sûr d'avoir bien fait, vous appuyez sur sauvegarder. Vous l'appelez comme vous voulez. Comme vous voulez, vous sauvegardez et c'est bon. Bon, maintenant, comment c'est pour changer ça? Maintenant, on va aller dans le mode macro bloc. Il est aussi accessible par la touche F5. Et voilà. On a notre bloc. Bon, ça fait un truc bizarre, mais bon. C'est pas trop grave. Bon, on se retrouve sur Google Maps et je vais vous montrer que ça va marcher. Allez, à dans un instant. Et nous revoilà sur une nouvelle map.
que je suis en train de concevoir, bien sûr. Et je vais vous montrer que les macroblocks fonctionnent même sur les différentes packs. Par contre, si vous voulez que le bloc, si vous voulez le monter, enfin, dans les airs, bah, il fallait le faire avant en créant des blocs en l'air. Parce que là maintenant c'est pas possible. J'ai beau défoncer ma fenêtre de souris, ça ne marche pas. Alors je vais vous montrer où sont enregistrés les macro blocs. Allez, à tout de suite. Et maintenant je vais vous montrer où sont enregistrés vos macro blocs que vous avez créés. Alors c'est très simple, vous allez dans les documents, vous allez dans la Mania Planet, et je ne sais plus où c'est, ben voilà c'est là. Alors, il faut aller dans le dossier bloc, ensuite dans Stadium, et vous avez comme vous voulez, le macro bloc qu'on a créé tout à l'heure. Et voilà, maintenant vous savez comment vous servir des macro blocs. Allez, à plus tard. Bye.